pays qui sont belle journée d'hiver, ils sont assez sympas, ils se couvrent au soleil, puis ils disent tu, tu parles de la pluie, puis ils disent putain. Tout d'un coup, il y a Arsène, il dit la nature est mal faite. Pour qui dit chacun manque du gène en des deux autres. Ben, regarde des petites osées là qui volaient devant nous, les gros comme mon pouce, il a tout l'espace pour se promener. Puis tout à l'heure, venant, je voyais mon voisin qui donnait une renfouraille à ses vaches. Des bêtes super, dans l'autre, ils font dans les 6 chantilots, ils sont en marais, et la mangeouette, ils ont juste la plage pour coucher, ils peuvent même pas se tourner. Alors la nature, elle est mal faite, parce que les bêtes n'ont pas beaucoup de place, puis une toute petite oiselle, elle a tout ça. Alors Eugène, il dit, la nature, elle est bien faite. Parce que tout à l'heure, en venant, être nausée, il s'est soulagé sur ma casquette. Ben heureusement que c'est là qu'elle vaut le pain. Un troisième, il disait rien, tu t'en doutes. Ben il dit, la nature est mal faite. Alors celui qui a dit que la nature est mal faite, il est content. Ah tu veilles? L'autre il dit oui, mais celui qui est Jean, il dit qu'a dit que la nature, elle est bien faite, il veut pas que ça soit battu. Il dit, oui, mais il faut expliquer tes raisons. Il dit, vous voyez la Pompéi qui traverse la plage d'abord. Elle a ce qu'il faut, pour nous qu'il faut. Hein? Un potrain que vous arrivez avec un oreiller, puis un coup, comme un joie de limon, c'est la joie de limon, je crois, le plus fort qui était dans les brancards et de la charrette. Il dit, quand va ça, je venais de manger au moins. Alors, la nature, elle est mal faite, parce que quand on nous enlève les moyens, hein, alors qu'on arrive maintenant, on n'a plus 20 ans, hein, alors, quand on nous enlève les moyens, elle devrait tout nous retirer zideille.